Pour commencer, je tiens à remercier mon neveu Hassin Tawfiq qui m'a autorisé de réutiliser la vidéo de ses canaris. Aussi, il m'a aidé à comprendre quelques points sur les canaris. Merci Tawfiq. Les canaris sont considérés comme des oiseaux chanteurs qui ont reçu une grande attention des gens. Et leur nom remonte aux îles Canaries espagnoles et leur maison d'origine est un groupe d'îles espagnoles, les îles Canaries et les îles de Madère et des Açores, qui est située en face de la côte nord de l'Afrique. Il existe de nombreux types de canaris qui diffèrent par leur forme, leur couleur et leur taille. Les oiseaux sauvages se distinguent par leur couleur jaune-vert et sur la plupart de leur corps il y a des inscriptions jaunes. Et en raison de l'élevage sélectif de canaris sauvages, ils se distinguent par une gamme de couleurs vives telles que l'orange, le rouge, le blanc et le jaune. Le jaune est la couleur la plus courante. La durée de vie des canaris est d'environ 15 ans et les oiseaux mâles peuvent avoir une vie plus longue que les femelles. Les canaris élevés à la maison vivent plus longtemps s'ils sont présents dans une grande cage d'au moins 17 pouces de long et 10 pouces de haut. Caractéristiques des canaris. Il existe de nombreux types de canaris où la capacité du canari mâle à chanter varie d'un oiseau à l'autre. Et tous les oiseaux chantent avec leur bec ouvert, à l'exception du canari allemand qui chante avec son bec fermé. Généralement, tôt le matin sur le sol de la cage, les canaris femelles pondent environ 2 à 6 œufs, de sorte qu'ils pondent un œuf par jour. Et les canaris éclosent généralement le 14e jour. Les canaris sont des oiseaux herbivores. Leur régime alimentaire se compose de graines. Et s'ils sont élevés à la maison, de petites quantités de fruits, de légumes, de vitamines et de suppléments nutritionnels peuvent être ajoutés à leur alimentation. Pendant la saison de reproduction, les canaris ont besoin de niveaux élevés de protéines et de calcium dans leur alimentation. Le canari est un oiseau charmant et magnifique que beaucoup de gens veulent élever car c'est un bel oiseau qui suscite la joie. Les canaris sont des oiseaux intelligents qui peuvent être entraînés pour s'asseoir sur les mains ou les diriger pour se déplacer dans la pièce. Et la formation de la plupart des canaris nécessite de la patience et une pratique constante. Lorsque vous voulez élever un canari, il faut être familier avec les conseils les plus importants à suivre pour l'attention et les soins. Comme acheter une cage grande et spacieuse et placez-la dans un endroit bien éclairé et ventilé, loin des portes et des fenêtres qui permettent la lumière directe du soleil. Et suspendez la cage à environ 6 pieds au-dessus du sol. Nettoyez la cage régulièrement au moins une fois par semaine afin de protéger vos canaris de l'exposition aux maladies. Mettez de l'eau régulièrement et donnez-lui une alimentation complète. Offrez du divertissement en plaçant un hamac à l'intérieur de la cage. Fournir à la cage une baignoire en plaçant une assiette remplie d'eau tiède sur le sol de la cage et en nettoyant le bol quotidiennement. Entretenez le cisaillement des canaris environ 2 fois par an pour préserver sa santé. La cage doit être couverte la nuit, car les canaris préfèrent dormir dans l'obscurité.